La mer, cet infini de vagues qui s'étend au-delà de l'horizon, c'est ces moments qui, au-delà des passions, laissent. Ah, les amis, vous êtes là. Bonjour. 19h, oui, c'est l'heure du stream, vous avez raison. Aujourd'hui, je sais pas, je me sens d'humeur aqueuse. Alors, je sais pas si Aquaman est bientôt sorti au cinéma, si c'est pas déjà fait. C'est peut-être à cause de ça, allez savoir. Mais c'est surtout que je vous ai trouvé quand même un jeu qui est extraordinaire. Un jeu de 1983. Et un jeu qui, je ne cacherai pas plus longtemps de son nom, s'appelle tout simplement Zodiac. Et tout de suite, ça évoque, dans vos petites têtes complètement déchirées par toutes ces années de médias débiles, cette équipe avec l'inénarrable Jacques-Yves. Jacques-Yves et son équipage à bord du Calypso, qui allait faire chier tous les animaux du monde sur la planète en entier, quoi. Et en fait, on va pas du tout parler de ça. Non, on va parler de Zodiac, le shmup. Eh oui, on n'est pas là pour la déconne. Donc, il aurait pu y avoir des dauphins dedans, mais il va y avoir surtout des gros pixels, puisque le tout est motorisé par un Z80 poussif qui doit à peine carburer à 4 ou 6 MHz, et que je pense que ça va être un calvaire à vous montrer. Comment ça, je spoil? Non, je n'ai même pas osé lancer une partie quand j'ai vu la démo. Ça en dit beaucoup, beaucoup, c'est un énorme indice, comme diraient d'autres. On y va, Zodiac, nous voilà. N'aie pas peur, c'est ton corps qui change. Non, c'est ton corps qui gonfle. J'espère que vous n'avez pas la capture. Ah, dommage. Va falloir tenir 5 minutes. Faudrait que je fasse une présentation détaillée dans ce cas-là. Alors, on a le titre en haut, juste sous le score, et là on va voir la démo, quoi. Le truc qui est bien, c'est que tu vois pas trop tes tirs, quoi. Du moment que tu y crois, c'est bon, ça passe. Ah oui, là on est en pleine 1983. L'ergonomie, c'était le sujet central de tous les développements software de la planète, quoi, il faut le savoir. Ou pas. Alors on voit qu'ils ont essayé de jouer quand même le renouveau en alternant un peu le gameplay, en mettant un peu de Time Pilot dedans. Donc c'est un espèce de truc bâtard entre un scroller vertical de base et le Time Pilot de base. Est-ce qu'il est jouable? À cette question, nous allons avoir une réponse, mais ce sera tout de suite après. Que j'ai écrasé mon mégot dans le cendrier, voilà. Ça valait bien la peine d'attendre. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Grosse musique. Alors, piou, 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 smi, 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 smi. C'est vif, hein. Moi, j'aime bien la bande son déjà. Et après, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, ils viennent me voir et on en discute. Et je peux vous garantir que cette bande son, elle est du feu de Dieu. Et on se la fera pas piquer. Ouais, je vous le dis. Je pense que je vais arriver sur un boss de fin de niveau. Comment ça, il n'y a jamais de fin? C'est bien l'impression que j'ai. Attention, on vient d'arrêter de scroller, on vient de me dire. Il va se passer quelque chose. Quelque chose se passe. Oh la putain, c'est pas très maniable. Hein. Je vais peut-être arriver à tenir 5 minutes, va savoir. Hop, hop, hop. Cette phase astéroïde n'est pas pour me plaire. Mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je dirais même qu'elle est pas sympa du tout. Avec cette musique qui est sûrement la meilleure de tout le jeu, je pense. Après, ils ont battu le gars qui avait fait ça. Ils se sont dit, non mais lui, s'il nous refait un truc, on va vraiment avoir des morts, des accidents cérébraux dans les salles d'arcade. Jean-Michel Bruitage, que vas-tu nous raconter sur cette monstrueuse BO? Infirmière, tu appelles Jean-Michel? Oui, le 12e numéro, toujours. Alors, je suis un schmuppé en 1983. J'ai été un petit peu programmé avec le fion en piquant des idées à droite, à gauche. Je suis, je suis, je suis. Bah, moi, c'est ce que ça m'inspire, hein, ce tatatatatatata. Je suis désolé. Donc, j'ai mon syndrome Julien Lepers qui remonte gravement, vous avez vu. Et je crois qu'on va mourir ensemble dans ce jeu, quoi. Mais au sens réel, quoi. Parce que là. Heureusement que je fais un peu exprès de pas jouer trop bien. Mais il y a moyen de passer le mois complet, quoi, si je paye un loyer, quoi.
sérieux aussi, les gars. Faites-moi plaisir. Please die. Ou moi, je die alors. Je sais pas, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Zama. Mais c'est pour de vrai. Je n'arrive pas à casser cette station orbitale. J'ai des vaisseaux verts. Et j'arrive même pas à me cracher dedans pour la défoncer. Ceci dit, j'ai la grande fierté de vous annoncer que je viens de passer les 5 minutes et qu'il est hors de question que je remette un crédit dans cette borne extraordinaire qui n'apporte pas grand chose, à part que au lieu d'avoir 4K pour stocker tout le programme, ils doivent avoir 8K, les gars. Et là, ils en profitent à mort, ils mettent 2 gameplays, du coup. L'ai-je assez cassé? C'est sur cette question qu'on va se quitter, je pense, pour ce merveilleux Zodiac. Et je vais vous remettre quand même l'image du commandant, parce que ça valait le coup. Une scène qui a été reproduite fidèlement, alors que c'était l'épisode où Jackie partait en mer et Bob était pas bien à cause des frites à midi. Voilà, je vous laisse avec les deux streams habituels. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain 19h. Arrêtez de faire l'écran, soyez sérieux, soyez pas comme moi. Ciao.